Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sisma et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi, de ma vie privée, etc. De ce que je compte faire vraiment à partir d'aujourd'hui. Vraiment changer les choses, d'aller vers l'avant, faire plus de TikTok, commencer à faire vraiment du contenu un peu plus travaillé. Parce que c'est bon, j'ai décidé de changer quoi. Et aussi surtout le truc le plus important pour moi, c'est vraiment de perdre du poids. Ça peut être vraiment super super intéressant de pouvoir perdre du poids, faire... Attends, je m'occupe de lui vite fait, je sais pas il est où. Elle est là, ok. C'est bon, il est mort, va dormir mon petit. En plus t'as cassé ma voiture, ça se fait pas. On disait, vraiment mon but à moi, c'était vraiment de perdre du poids, de changer, vraiment de travailler plus. Parce que je trouve que me réveiller à 10h du matin, ça me vraiment dégoûtant, ça me dégoûtait, ça me fatiguait franchement. La vie elle est très courte, faut vraiment que j'avance dans la vie, que je fasse des projets, que je fasse pas mal de choses qui peuvent me ramener du bien quoi. À la place de perdre du temps à me réveiller à des heures pas possibles. Au final tu te rends compte qu'à la fin de journée t'as pas évolué, t'as pas fait grand chose. Je vais pas vous mentir hein, j'ai foiré mon confinement, franchement je l'ai, waouh, il était pas du tout rentable. Je suis un grand dépenseur, donc moi je dépense de l'argent dans de la merde vraiment. Je travaille énormément et aussi je claque de l'argent dans de la merde quoi, vraiment. J'adore me faire plaisir, il faut se faire plaisir dans la vie hein, c'est important, mais il faut que ce soit raisonnable aussi. J'ai un souci, c'est que j'achète beaucoup de choses, j'ai envie de les acheter, je me fais plaisir et genre deux secondes après j'ai plus envie du truc, genre moi il me saoule ou je l'aime plus. Je suis un peu le genre de mec qui il est en kiff sur un truc, deux secondes après il le veut plus, vraiment je suis comme ça quoi. Et je trouve ça très mauvais, pas si cool que ça, pas si nice que ça, mais vraiment faut que je change de vie, vraiment absolument. Là il est temps, je commence à prendre de l'âge, j'ai 24 ans maintenant. On s'amuse, on rigole, c'est drôle, tout ça. Mais faut vraiment penser un peu sérieux, penser à faire les choses bien et aller de l'avant. Surtout aller de l'avant parce que franchement la vie est très courte et... Il y a plein de décisions que j'ai prises que c'est pas bon pour moi. Il y a plein de trucs, d'opportunités que j'ai ratées vraiment. Tout pourquoi? Parce que je suis un mec un peu... comment dire? Je suis un peu un mec... moi je s'en fout, genre moi je vis le jour, tout ça. Sauf que avec l'âge, je commence à me rendre compte qu'on peut pas vivre le jour, vraiment pas. On peut vraiment pas faire ça et c'est pas bon quoi. C'est vraiment pas bon. Et du coup, ce que j'ai fait, c'était pas bon parce que c'était une perte de temps, une perte d'argent, une perte de tout ce que vous voulez. J'arrêterai. Donc, à partir de demain, vraiment à partir de demain, je vais commencer à me réveiller à 4h du matin. Et je vais me réveiller à 4h du matin. Je vais faire du sport, faire ma prière, tout ça. Vous connaissez, je suis musulman. Et je vais essayer d'organiser ma vie en mieux, que ma vie soit plus rentable, soit plus intéressante que ma vie actuelle, quoi. Vraiment, que j'aille de l'avant, que je progresse, que je fasse plus de choses intéressantes. Je travaille plus pour faire des trucs de meilleure qualité. Ça peut être cool vraiment. Et surtout perdre du poids parce que je suis gros. Ah mais je fais 110 kilos hein. Je suis un peu grand. Pas trop. Je fais 1m75. Je suis dans la moyenne. 1m75 pour 30 cm, ça va en vrai. Non, c'est 45, pardon. En vrai, ça va. Ok. Donc mais il faut que je fasse un régime. Et dans tous les cas, ça me fera que du bien. Ça me fera vraiment aucun mal quoi. On va résumer. Je me suis fait un challenge de 10 semaines. Au mode, je change de vie, je change de nourriture. Je vais essayer de vous faire une vidéo tous les jours. Des mornings. Routine, des vidéos Fortnite, des vidéos boutique, etc. On va essayer de faire ça bien, vraiment faire ça bien, faire ça proprement et surtout, j'arrive pas à le voir, c'était une main à 2 balles là qui me tire dessus de loin. Et comme je dis, les amis, on va essayer de faire ça bien et j'espère que vous allez me soutenir sur ce que je vais faire. Et ce bâtard, je le vois pas, ça m'énerve. Oh là là, putain, c'est les balles, viennent d'où les balles là? Je vois rien, c'est abusé, je suis aveugle. Bon, on va voir ça, je vais te surveiller. Ah, c'est des fléchettes, donc le bug il vient, ok, le mec il vient de l'autre côté, ok. Du coup, j'espère que vous allez me soutenir dans ce projet. J'espère que vous allez me soutenir dans ce que je vais faire. Mais je tiens à vous remercier pour votre soutien que j'ai, surtout sur... comment on appelle ça? Sur TikTok, sur les réseaux, sur un peu partout, quoi. Et franchement, je vous dis juste un mot. C'est un grand merci, quoi, vraiment. Mais c'est un merci sincère qui vient du cœur. Un merci d'amour, un merci de tout ce que vous voulez. Et vive le roi Sisma. Et un dernier kill pour finir la vidéo, les gars. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!